je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo haul Kiabi. Je fais peu de shopping ces derniers temps pour cause de mon état au niveau de mes cervicales, mais j'avais très envie de remettre un peu de couleur dans mon dressing parce que je tournais vraiment beaucoup sur le noir et c'est vraiment pas mon truc. Du coup j'ai été faire un saut chez Kiabi, j'ai trouvé pas mal de couleurs à petit prix, donc du coup je voulais en profiter pour vous partager les bons plans de chez Kiabi. Vous remarquerez que j'ai quand même fait un effort au niveau du tour de cou, j'ai ajouté voilà, quelque chose qui sublime la minerve, n'est-ce pas? Vous trouvez ça très joli, vous êtes comme moi, hein, mettrez un pouce vers le haut parce que j'ai vraiment fait un effort pour que ça soit moins laid que la minerve bleu marine. Alors, si ça vous intéresse, suivez-moi, je vais vous parler donc des pièces que j'ai trouvées. J'ai fait le plein de couleurs, comme je vous le disais, j'insérerai des try-on au fur et à mesure de la vidéo. J'ai trouvé tout d'abord ce pull. Alors, il existe également dans les tons un peu plus rose et violine, mais moi je voulais un petit peu de vert et de gris pour apporter vraiment de la lumière. Il est au prix de 15 €, je l'ai pris en taille S pour qu'il soit un peu loose. Et du coup je trouve très sympa, il est très doudou, je ne sais pas du tout par contre comment il vieillira au lavage, il va falloir que je fasse super attention. Toujours dans le même état d'esprit, j'ai pris, alors là c'est une grande première, le jaune moutarde, tout simplement parce que j'ai une colorimétrie froide, c'est-à-dire que je porte plutôt des tons froids, et là c'est une couleur extrêmement chaude, donc il va falloir que je la casse avec des couleurs beaucoup plus froides comme le noir, le gris, des couleurs qui vont venir un petit peu casser cette couleur qui est vraiment pas celle qui convient à mon teint. Mais pour autant j'ai relevé le défi puisque ça m'avait été mis dans mon nouveau compte Instagram que je vous remets ici puisqu'il avait été piraté. On m'avait suggéré effectivement de porter des couleurs un peu plus automnales comme le jaune moutarde et le lit de vin bordeaux, etc. Du coup je relève le défi et j'ai pris également des tons bordeaux. Donc là je suis un peu sauvée parce qu'il a quand même un col noir et vous verrez au niveau du port que ça choque beaucoup moins puisqu'il y a le tour noir. Il y a des tout petits points qui sont sur le tissu, un tout petit imprimé, c'est pas choquant du tout. Mais du coup ça peut aller avec pas mal de mes jupes simili cuir noir, mon pantalon en simili cuir noir également, ça va aller avec pas mal de choses donc c'est pas mal. Encore une chose que j'ai trouvée que je trouve très sympa, alors elle est un peu large, c'est le seul truc que je lui reproche, c'est une jupe en taille 34 à rayures, donc les rayures sont bordeaux, noir et écru, donc ça peut aller avec du noir, de l'écru, du bordeaux, ça je vous la fais pas. Elle est au prix de 15 € et ça va avec pas mal de choses également, dont là j'ai pris du noir parce que j'en avais pas en col cheminée. J'ai pris un petit pull, là celui-ci il est chez les enfants, par contre vous ne le trouverez pas chez les adultes. Je l'ai pris en taille XS, il est au prix de 15 €. Il est un peu cher mais vous, voilà, si vous allez le voir en boutique, il est très très épais. Donc du coup ce sera vraiment quelque chose de chaud, une pièce assez chaude. Pour le coup il faut le porter plutôt au-dessus de la jupe qu'à l'intérieur de la jupe. Enfin je sais pas, je trouve que ça fait un peu bizarre si vous le portez à l'intérieur, à voir, voilà. C'est le genre de jupe qui peut se porter avec des bottines, avec de la basket, avec des cuissardes, avec des bottes, avec plein de choses. Donc ça nous laisse pas mal de choix. Ouais, pour le coup, je trouve vraiment que chez Kiabi, on arrive à faire des bons compromis. On trouve des pièces à petit budget qui peuvent se marier avec pas mal de pièces. Donc du coup, je trouve que ça vaut quand même le coup. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées parce que la collection Kiabi est intéressante. Voilà, moi je ne pouvais pas faire 15 000 boutiques du fait de mon coût et là j'ai trouvé quand même plusieurs pièces. Par contre, si vous avez une bonne idée, un bon plan, petit prix pour trouver une jupe en velours, n'hésitez pas à me mettre des commentaires parce qu'en fait à la base c'était ça que j'allais chercher et je suis partie avec tout sauf une jupe en velours que je n'ai pas trouvée. Il y avait des pantalons, il y avait des salopettes en velours, mais il n'y avait pas la fameuse jupe que je recherche. Et moi, c'est la jupe que je veux, pas le reste. Donc voilà, j'attends vos commentaires si vous avez des bonnes idées à me suggérer. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker pour m'encourager, à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau par ici. Je vous embrasse, prenez grand soin de vous en attendant une prochaine vidéo. À bientôt.